Il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour, amis auditeurs de Radio M, bonjour, bienvenue à ce numéro, ce deuxième ou ce troisième numéro d'émission spéciale dédiée aux élections législatives du 12 juin. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous et de continuer à débriefer la journée électorale d'hier. Pour le faire, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui Chif Driss, politologue. Bonjour Chif. Bonjour. Marhaba bik. Merci d'avoir répondu à l'invitation dans la précipitation, puisqu'on a décidé un peu au pied levé de cette émission. Je t'en prie, c'est un plaisir. Atek Saha, merci beaucoup. Merci Ali, Ali Bourlef, merci encore une fois de amener ton renfort à ces espaces de débat. Ali Bourlef, journaliste à Liberté. Et Imad Boubkri, merci encore d'être avec nous. Merci. Imad Boubkri qui a fait des surveillance de bureaux électoraux dans une vie antérieure et connaît très bien les processus électoraux. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, il est 17h33, il commence à se dégager des tendances sur les résultats avec ce fameux dépouillement qui est un peu spécial, qui prend plus de temps, etc. On en parlera en deuxième partie d'émission. On est obligé de nous arrêter dans un premier temps à l'aspect qui nous intéresse le plus, qui est en fait l'indicateur politique de ce rendez-vous, de ce scrutin, c'est le taux de participation. Abdelmadjid Tebboune a décidé que ce n'était pas important. Nous, on a un avis différent. On considère que c'est quand même un véritable test. Est-ce que les Algériens adhèrent ou pas à ce scrutin? Et il y a eu la surprise de l'AIE qui nous a annoncé que l'AIE de l'ANI qui nous a annoncé donc un taux de participation équivalent à 30%, 30,20%. Je demande tout de suite à chacun d'entre vous de donner votre avis sur ce chiffre. Vraisemblable, pas vraisemblable? En fait, en un mot commençant, généralement, quand on parle de taux de participation, juridiquement parlant, il n'existe pas de seuil ou de plafond au-delà de allant duquel on peut déterminer ou dire qu'une élection elle est valide ou invalide. Le taux de participation, il a plus une valeur symbolique et politique. Un taux de participation, c'est un marqueur empirique qui dénote à la fois, une adhésion d'une population, d'un peuple vis-à-vis d'une démarche politique, d'une offre politique, et par voie de conséquence, qui est la conséquence de la première, un gage de légitimation d'un régime. Donc là, au-delà du taux, ce qui est intéressant, c'est que nous avons constaté d'un point de vue de fond qu'il y avait un certain tâtonnement, un certain malaise par rapport quand il y a eu l'annonce hier contre le président de l'ANI, M. Chorfi, avait déclaré qu'en fait, il s'agit plus d'une moyen de participation et non pas d'un taux. On peut expliquer en deux minutes? En deux minutes, c'est-à-dire que la moyenne, c'est l'addition du nombre de votants et la division, par exemple, de wilayas. C'est-à-dire que vous additionnez, vous avez 45%, 39%, 40%, 20% et tout. Vous additionnez, vous divisez sur les 50 wilayas. Le taux de participation, en revanche, c'est le taux des votants divisé sur le nombre d'électeurs. La nuance, elle est de taille. Dans les démocraties, on prend plus en considération le taux de participation, qui est le plus indicatif, les plus parlants par rapport à une adhésion. Donc, on peut expliquer, dans ce type de calcul, les plus de 50% de votants dans une wilaya relativement très peu peuplée comme Tindouf vont peser autant que le très faible taux qu'il y a eu dans la wilaya de Steff. C'est-à-dire. Parce qu'on ne tient pas compte du nombre d'inscrits. Tout à fait, un petit chiffre. Par exemple, vous prenez, par exemple, Alger, parce qu'il faut raisonner en termes de bassins électoraux. Les plus grands bassins, vous avez Alger, vous avez City, vous avez Oran, vous avez Betna, vous avez Blida et vous avez l'immigration. Alger, on a mentionné un taux de 8,54. Vous avez 1 890 000, presque 900 000. Sur 1 million, vous en avez tout au plus 45 000, 60 000 votants. C'est plus que les votants, par exemple, dans une région comme Élysée, je crois, qui ont 132 000, ou Tindouf, qui a 60 000, ou Adrar, qui a 200 000. C'est-à-dire que cette moyenne de participation, elle est plus voulue dans un sens d'équilibrer un petit peu par rapport aux bassins qui ont un vivier électoral qui est très faible. Donc là, il y a premier aspect. Deuxième aspect, le taux de participation. C'est-à-dire que les estimations, à défaut d'avoir un sondage qui nous donnerait des indications et des tendances de vote qui ne nous donneraient pas de résultats, tout indiquait, tout penchait à croire qu'il allait y avoir un taux de participation des plus faibles. C'est-à-dire que
On a annoncé un taux de participation, même certains avaient parlé de 50, certains ont dit 41%. La question se pose, sur quelle base peut-on dire 40-50? C'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui sont très empiriques. L'indicateur, on va dire, le plus ou moins fiable, c'est un sondage d'opinion. Deuxième indicateur, l'engouement que suscite une élection vis-à-vis de la population. Ce qu'on a assisté ces 21 jours de campagne électorale, il n'y a pas un engouement vraiment avéré de la part des Algériens vis-à-vis de ces élections. Pratiquement, il y a un désaveu. Vous n'avez qu'à voir ce qu'on appelle les affiches, comment elles ont été placardées. Vous n'avez qu'à voir un petit peu l'engouement de certains, mis par quelques partis qui ont réussi à faire des sacrampes. Mais il n'y avait pas un engouement réel de la part des Algériens vis-à-vis de ces élections, ce qui incite à dire que finalement, on allait avoir un taux de participation qui est très faible. La question qui se pose, le taux qui a été annoncé, 30,20, hier on a dit une moyenne de participation, et aujourd'hui apparemment ils ont parlé d'un taux provisoire. Est-ce réel? C'est vrai qu'il faut attendre les jours qui viennent pour qu'on ait une indication, plutôt une estimation qui soit définitive par rapport au taux de participation. Mais ce qui est important à relever, c'est que si on fait la comparaison dans l'espace-temps par rapport aux élections précédentes, c'est qu'on a un taux des plus faibles. En 2017, j'ai rien qu'en 2017, on a 35%, 8 millions, 35. C'est vrai que la population totale, c'est 23 millions. En 2012, c'était 43%. Mais ce qui est très parlant, en temps de Hirak, en temps de mouvement qu'on appelle un sursaut populaire, un taux de participation qui est faible, ça nous incite à poser plusieurs questions sur les enjeux réels de ces élections. Les élections. Moi, bon, j'ai presque envie d'être de l'autre côté. Pour dire combien c'est ridicule. Enfin, je sais pas. Moi, je suis de formation économique. Hein. Je suis Bac plus 7 en économie. Je fais de la théorie économique. Dès que je vois un taux, je passe en valeur absolue. Donc, en valeur absolue, 30%, c'est 8 millions sur le corps électoral. Bon, c'est un gros mensonge. Moi, en fait, ma question, je la change. Il dit, est-ce que M. Chaufi, je ne sais pas d'ailleurs s'il mérite l'appellation de monsieur, tellement il nous a bassinés avec des choses depuis qu'il est dans cette fonction, est-ce qu'il était obligé, quand le président de la République dit que le taux de participation n'est pas important, est-ce qu'il était obligé de gonfler comme ça? À la limite, Bouteflika, laissez le taux de législative relativement bas et ne le gonflez pas comme celui des présidentielles. Parce que ça lui convenait d'avoir une assemblée qui a une petite légitimité. Voilà. Donc on aurait pu penser que dans la configuration actuelle, avec Tebboune, qu'il laisse faire. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé jusqu'à 16 heures. On peut dire qu'on était dans un ratio plus ou moins vraisemblable, raisonnable, celui de 14% à 16 heures. Qu'est-ce qui a poussé, donc je change ma question, qu'est-ce qui a poussé Mohamed Chaufi à nous sortir une monstruosité comme ça? Je pense que c'est dans un système opaque comme celui de l'Algérie, il est difficile de savoir ce que cette trame aura lieu, mais ce que j'ai constaté personnellement, c'est que quand j'ai vu que l'homme, donc M. Chaffé, hésitait avant d'annoncer le chiffre. Et à un certain moment, tout le monde avait les chiffres par où il allait jusqu'à 21h, je pense. Il a attendu 23h pour annoncer d'abord le nombre de wilayas qui n'avaient pas beaucoup voté ou qui avaient voté, c'est selon. Et puis à un certain moment, le journaliste le précise pour dire combien. Ah, j'ai déjà dit 30%. Il a dit comme ça. C'est comme si c'était une courbe pour lui de dire 30%. Et puis à un certain moment, elle lui demande, mais dans l'immigration, c'était combien? Il dit, ah, je ne sais pas, mais je pense que ça ne doit pas dépasser 5%. Il a pris même les choses à l'agir. C'est la preuve que c'est à mon avis, c'est un chiffre politique, parce que ça n'a absolument aucun sens d'annoncer un chiffre pareil, même s'il est très faible. Il faut qu'on explique aux gens qu'ils oublient que si ce régime se sentent suffisamment intelligents pour dire que 30% c'est une majorité, il faut vraiment le faire. Parce qu'ils l'ont fait, ils ont dit qu'il faut écouter la majorité qui vote. Alors c'est la minorité qui a voté, même c'est 30%. Mais même 30% c'est énorme par rapport à ce que nous avons vu. Même dans les wilayas, Delis parlait tout à l'heure des bassins électoraux importants, des wilayas où l'on votait suffisamment avant, les gens n'ont pas voté. Hier, on se sentait, les gens, ça n'a pas dépassé 14%, je crois. À Oran, c'était 17%. À Sétif,
C'est vrai qu'à les régions kabylophones, on n'a pas du tout voté, mais ça ne dépassait pas 15%. Où est-ce qu'ils ont, ils sont allés chercher les 30%? On ne peut pas considérer comme une ville comme Ouled Djellal, qui a, je pense, même pas 150 000 habitants, qui peut peser sur le taux national, alors qu'Alger, qui a plus de 4 millions d'habitants, le taux n'a pas dépassé 8%. C'est impossible d'arriver à 30%. Donc il me semble que c'est un taux politique. Entre-temps, je pense que les autorités se sont rendues compte qu'elles ont misé sur un taux faible, mais pas autant que ce que nous avons vu, c'est-à-dire qu'à un certain moment, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus ridicule que ce qu'ils imaginaient, parce qu'ils ont, à la limite, imaginé peut-être un scénario proche de celui du référendum constitutionnel. Ils se sont rendus compte que finalement, c'était beaucoup plus grave que ça, d'autant plus que pendant 20 jours, ils ont mobilisé toute l'armada des médias qu'ils ont, les partis politiques qui se disent populaires, et puis les réseaux sociaux avec les robots électroniques, avec tout, avec la répression qui s'abat sur les opposants. Et avec tout ça, ils n'arrivaient même pas à faire 20%. Ils se sont rendus compte que c'était ridicule, donc il fallait donner un chiffre un peu qui tient zéro derrière. Donc c'est trop. Ça me permet de dire que j'ai posé la question, parce qu'il n'y a pas que les services qui me posaient des questions. Ils ont l'amabilité d'écouter mes questions aussi. Le colonel de la DGSI avec qui j'ai échangé, si eux avaient des sondages sur le parce qu'à l'époque, parce qu'on a fait une comparaison avec l'époque où il y avait les sondages de Ouqtabzali, l'erreur du 26 décembre 1991 avec les indépendants qui étaient en mesure de gagner et donc affaiblir le FLN et surtout le FIS. Et il semble que non. Bon, il ne m'a pas vraiment bien répondu, mais je dis que nous, on avance dans le brouillard. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai revendiqué le droit de faire des sondages pour être moins vapeureux et plus précis dans les approches. Et je pense, un dernier élément, c'est que la déclaration de M. Tebboune Lamatini, en disant que le taux de participation importe peu, je pense qu'il savait déjà que le taux de participation allait être ridicule. Donc, pour sauver la face, ils ont augmenté un peu à 30% pour faire un peu... Un peu. Ils ont fait beaucoup, parce que mais 30%, c'est quand même 70% d'abstention. Pour rebondir dans le même sens, Tebboune a toujours dit que le taux de participation, depuis ses dernières sorties médiatiques, il parlait que le taux de participation n'est pas important. Il est quand même peut-être pas trop important, mais c'est important et ça se traduit par la confusion et le jeu de mots de la soirée avec M. Cherfi. Quel est l'intérêt de dire moyen taux de participation si ce n'était pas intéressant? Il peut dire demain, on va vous donner le taux. Donc, mais c'était important de le dire. Et il a dit, la soirée, il a dit, M. Cherif l'a expliqué, le taux, la moyen des taux de participation par wilaya. C'est ce moyen de taux. C'est un non-sens juridique, un non-sens politique. C'est un jeu de mots. Et à l'intérieur, dans son exposé, il disait que voilà combien de wilayas ont dépassé 50%, voilà combien de wilayas plus de 25%, voilà combien de wilayas où il y a plus de 100%. Donc le taux de participation, il est important à un certain niveau. Je pense que le taux de participation est important à un certain niveau pour le pouvoir. Et on n'est pas obligé de croire tout ce qu'ils disent. Hein. Donc c'est de la communication... De la communication politique. Aujourd'hui, pendant la matinée, ils l'ont converti en taux de participation nationale, leur moyenne, le fameux en taux de participation nationale. Je note quand même que pendant toute la soirée, la toile n'a cessé de réagir en disant, en reprenant les différentes blagues à propos de ça, où tout le monde, ça veut dire que la dynamique du Hirak est toujours présente au niveau des réseaux sociaux. On a vu beaucoup d'activistes qui disaient d'où ça tombe les 3 800 000 en 3 heures, de 16 heures à 20 heures, voilà, en 4 heures, alors qu'on n'a pas vu de fil, alors qu'il n'y a pas eu le NTV. S'il y avait autant de votants, le NTV va montrer, ça va être la fête. Ça fait des files d'attente. Oui, 100 millions un votant par minute. Un votant par minute sur 62 000 bureaux en même temps, sans arrêt. 4 minutes. 4 heures. Avec le nombre de listes. Et il faut se mettre dans. Il faut essayer de faire de la simulation pour comprendre ça. C'est un peu osé de leur part, parce qu'ils nous ont vendu. Leurs clients, ils nous ont vendu lors des référendums sur la Constitution que 23%, ça se voit qu'il n'y a pas de fraude, qu'on est entré dans une nouvelle phase.
Les 23% qui étaient déjà exagérés. Oui, mais c'est-à-dire pour expliquer. Pas de référendum. Pour expliquer la débâcle, c'est le taux, machin, etc. Donc, je pense que le taux de participation continue d'être important à un certain niveau, selon les enjeux. Je note également, il faut, à mon avis, la question de la guerre interne n'est pas encore tranchée. Elle n'est pas de la même intensité, mais ça se traduit. On ne sait pas comment il a été décidé cette élection législative, qui était pour, qui était contre, qui sont actuellement le véritable club des décideurs, qu'est-ce qui se planifie, qu'est-ce qu'il y aura pendant les locales, qu'est-ce qu'il y aura pour la présidence. En tout cas, généralement, les législatives ont toujours constitué un réservoir de, disons, des parrains des réseaux locaux. Voilà, c'est comme ça que ça a construit. Après, tu as les locales, et je ne sais pas comment ils vont, avec le manque d'argent, comment ils vont renouveler cette clientèle, tout en sachant que même la clientèle qui a voté pendant les présidentielles n'a pas voté. On a eu des échos dans les wilayas qui votent, c'est pas comme d'habitude. Alors, est-ce que Ali a dit que peut-être ils ont été surpris, l'hésitation, là, c'est le fait d'une surprise, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi faible. J'avoue que moi-même, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi faible. Sincèrement, je me suis dit, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi faible. Parce qu'on s'est laissé un peu griser par cette inflation de l'offre politique. Et je me suis dit, peut-être un peu naïvement, parce que c'est une nouvelle expérience, que le fait d'avoir beaucoup de listes et donc beaucoup de gens impliqués comme candidats, etc., allait créer un effet d'entraînement. L'entourage de la famille, etc. Et cet effet d'entraînement, je pense que c'est le même calcul qui a été fait par ceux qui ont un peu inventé cette formule. Baisser la barrière d'entrée de la candidature, la rendre, la démocratiser, entre guillemets, rembourser les frais de campagne, donc pour pousser les jeunes notamment à se présenter. Et donc, autour d'eux, il y aurait un effet d'entraînement. Cet effet d'entraînement, on ne l'a pas vu. C'était spectaculaire, la désertion. On a l'impression que les familles ont abrangé, en tous les cas, dans les milieux urbains. Peut-être la Roche-Bra, et encore que le critère de tribu, je pense qu'il s'est beaucoup délité depuis le temps. Qui a pu faire ce calcul? Comment on a pu penser que ça, l'inflation de liste, le fait d'ouvrir, de baisser la barrière d'entrée, de prendre des risques de clochardiser le contenu politique de la campagne, pouvait entraîner plus de participation? Qui a pu faire ce calcul et pourquoi il a été fait? En fait, avant d'y revoir, juste une petite observation. Généralement, il faut se méfier de trois choses. Le mensonge satanique et les statistiques. Généralement. En fait, pour répondre à ta question, c'est-à-dire que moi, je pense qu'en hypothèse de travail, c'est que dans l'offre politique qui a été décidée, imposée le 2 avril 2019, qui n'est autre que de ne pas aller vers une transition, aller vers une sorte de normalisation institutionnelle avec trois strates des présidentielles du 19, du 12-12, le référendum, la constitution, plus les législatives. Les législatives locales constituent en elles-mêmes la troisième strate dans cette normalisation. Maintenant, c'est l'ingénierie de cette offre politique qui est maintenant dans son aspect le plus important, c'est les élections. À mon avis, simple hypothèse de travail, l'idée étant donné qu'ils sont partis du postulat suivant, que le Hirak a rejeté toute la classe politique, à la fois l'opposition et les partis de ce qu'ils appellent de l'allégeance, de la lettre. L'idée étant que aller vers des élections législatives, créer un nouveau parlement et non pas un pouvoir législatif, avec une nouvelle cartographie partisane, c'est-à-dire d'une cartographie qui sera hybride entre l'ancienne clientèle et la nouvelle clientèle. Donc l'idée étant que ce n'est pas une innovation algérienne, parce que ça a été pratiqué dans certains pays africains, même en Égypte et au Maroc, c'est d'encourager vers des candidatures désinstitutionnalisées, à savoir non partisanes, et notamment ce qu'on appelle les jeunes. Les jeunes, d'où le discours, ce qu'on appelle le discours adapté vers les minorités, c'est-à-dire développer un récit, notamment la Nouvelle Algérie, l'Algérie c'est la jeunesse. Donc on va encourager des candidatures indépendantes de façon à ce que l'ancienne clientèle sur laquelle ils ne peuvent plus miser, ça devient comme un boulet, ils ne peuvent pas l'écarter, comme ça la balayer d'un revers de main,
Mais d'un autre côté, ils ne peuvent pas compter sur elle. Donc l'idée, c'est de renouveler la clientèle du régime, permettre l'émergence de nouveaux acteurs. Ces nouveaux acteurs, des candidatures indépendantes, à savoir et notamment des candidatures au niveau des corporations, les journalistes, les médecins, certains syndicalistes, des gens de la société civile, ces gens-là sont les mieux à pouvoir capter, à renouveler ce qu'on appelle le vivier électoral du régime. C'est une mise sur ces gens-là pour gonfler le taux de participation, c'est-à-dire gonfler dans un seuil acceptable, parce que dans la psychologie générale, dans la philosophie du régime, en aucun cas, le taux de participation des législatives ne devrait dépasser celui des présidentielles. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle le seuil psychologique. Cela dit, on a besoin d'un seuil acceptable qui est en dessous de 40%, 35-32%, et en encourageant ces candidatures indépendantes, en développant une sorte d'enchère politique. J'ai tout de suite une question par rapport à la guéguerre qu'a évoqué Ahmed. Est-ce que la guéguerre qu'on a pressentie, peut-être une partie des services qui ne tenaient pas à ce que les élections se tiennent, est-ce que c'était une guéguerre autour du dosage dans l'ingénierie entre l'ancienne clientèle et la nouvelle? Est-ce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le dosage et qu'ils ont trouvé peut-être que la présidence, avec les mesures qu'elle a prises, elle a introduit une dose trop importante d'inconnus, parce qu'avec la partie qu'on a ici, donc etc., c'est une DRS a un mode de gestion classique. Il préfère gérer des partis qu'il connaît, des députés de partis, donc le plus facile, des listes, des têtes de liste, etc. Alors que dans la formule actuelle, on est plus dans une forme d'entropie, de désordre qui rend plus compliqué le contrôle. En fait, c'est à défaut d'éléments d'information palpables, il est très difficile de se prononcer déjà. Qui a décidé de qui? Il faut savoir que depuis 2015, avec la déstructuration, la restructuration des services, il y a à un moment donné une certaine mise à l'écart des services par rapport à la gestion politique des affaires publiques. Moi, je pense que l'enjeu le plus important, au-delà du dosage, c'est la question qui devrait être posée, à mon sens, c'est que est-ce que cette ingénierie politique qui a été conçue, a-t-elle été conçue de façon à permettre au président de la République d'avoir son vaisseau amiral et sa flottille? C'est-à-dire que Bouteflika, président Bouteflika, quand il est venu en 1999, lui, il a été clair. C'est-à-dire que, vu la façon dont il a été élu en 1999, je ne veux pas être le trois quarts de président. Il a voulu se redéployer, se réimposer en développant sa propre base électorale, sa propre vaisseau. C'est-à-dire que c'est comme si qu'il leur a dit, je veux mon vaisseau, je veux être son amiral. Et son vaisseau doit être cette flottille. Il a eu ce qu'il voulait. Il a inversé, c'est le FLN plus que le RND, dans le cadre de la même coalition. Il a fait mieux encore. C'est-à-dire, non seulement il a récupéré le FLN, il a récupéré le RND, il a récupéré les islamistes, il a refaçonné la cartographie partisane, il a refaçonné les alliances au sein du pouvoir, de façon à ce qu'il puisse s'imposer comme étant le primus inter pares, le premier des premiers. Je n'ai pas à négocier ni avec l'état-major, ni avec les services. Je veux avoir ma propre équipe, mon propre vaisseau, ma propre flottille. Donc là, la question qui se pose, est-ce qu'il y a dans l'intention du régime des décideurs de donner au président Tebboune la même chose. Bouteflika a réussi avec le référendum de la réconciliation nationale. Le premier, celui de la Concorde. Le premier, celui de septembre 2000. Septembre 2000. 2005, c'était plus compliqué. Il a eu un amendement de la Constitution, donc il a eu ce qu'il voulait. Donc, quelque part, mais la question qui se pose, est-ce que le président Abdelmadjid Tebboune est-il en mesure d'imposer, c'est-à-dire, lui, il a essayé d'entendre que dans l'entretien avec le point Q, qu'il ne fera pas un deuxième mandat, qu'un mandat pour lui suffira. Est-ce à dire qu'il arrive à mesurer que ça devient très difficile de disposer de son propre vaisseau, de sa propre flotte, parce que tout l'enjeu, au-delà des taux de participation, c'est la configuration qui émanera de ces élections. Est-ce qu'on aura une configuration, c'est-à-dire avec des partis qui constitueront ce qu'on appelle l'alliance présidentielle et la base sociale? Avant d'aller à la configuration, Chérif Ouchale, parce qu'on va en parler de cette configuration, c'est un peu la discussion. Dans la modalité, c'est très intéressant. Parce qu'il y a des... Sur le renouvellement de la clientèle. La similitude entre les élections de 2012 et les élections de 2021. 2012, après les printemps arabes, on a agréé des partis, on ne leur a pas permis, il y a eu la flambée des listes, les partis, il faut faire un parti, il n'y avait même pas la collecte des signatures. Celui qui a l'agrément d'un parti, il peut faire 48 listes, donc 48 wilayas, etc. Le dumping. Donc le taux de participation était élevé.
Et comme c'est beaucoup vient de c'est-à-dire c'est une l'effet d'entraînement est nouveau. Ils ont été pris dans le piège du 5%. Et le FLN a raflé les 220 sièges, qui a renforcé cette année, qui est par la suite monté contre les services donc Teofir, et qui a Teofir par la suite a été liquidé. Et en 2017, on a rééquilibré avec le RND. Donc le RND est monté vers 100, etc. Il y avait la majorité. Voilà, donc on n'est pas vraiment sorti de. Il y a des traces. Un mindset est le même. D'ailleurs, il a cité. Plus d'inconnu quand même, parce que contre un 38 listes sur Alger, au moment où on se parle, on ne sait pas quelle est la tendance. On va l'évoquer dans un moment, mais on ne connaît pas vraiment quelle est la tendance. Au niveau national, moi, je voulais vous poser une question un peu plus globale, et c'est Ali qui va y répondre le premier peut-être. C'est est-ce que quand on voit ce divorce qu'il y a entre la population et le système, on l'a vu avec les présidentielles, on l'a vu de manière encore plus spectaculaire avec le référendum, on le voit encore hier. Est-ce que peut-être qu'on est en train de rater quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas attentif à un processus de rupture qui est peut-être plus profond? C'est-à-dire que nous, on se dit, si les figures du Hirak, s'il y a un accord politique, s'il y a un dialogue, s'il y a un consensus, s'il y a un retour des figures dans le jeu politique, demain, les Algériens vont se remettre à aller voter. Peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que la rupture, elle est encore plus forte. Peut-être que si demain, il y a tout, il y a Karim Tabou, Mustapha Bouchachi, que sais-je encore, Zoubida Assoul, tout l'opposition, le PAT ou le PAS, tous ceux qui sont en dehors du jeu aujourd'hui, qui refusent parce que les règles du jeu n'ont pas changé. Si demain, les règles du jeu changeaient favorablement, dans le sens de la démocratie, dans le sens des libertés, et que tout ce mouvement se présentait, peut-être qu'on aura encore une désaffection, que les gens, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui va peut-être au-delà. Et moi, ça m'inquiète. Je vous la pose la question. J'ouvre une parenthèse par rapport à cette question-là, puisqu'il y a quelques années, Chérifi connaît mieux que nous le dossier, enfin mieux que moi du moins, on a fait exprès de tuer tout ce qui représentait les sciences sociales à l'université. Cela nous amène à une réalité très très sombre, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans cette société, puisqu'on a cassé tout ce qui pouvait nous dire qu'est-ce qu'il y a dans la société. Mais ce qui est évident, c'est que depuis de longues années, à cause notamment du fonctionnement du système, à cause notamment des problèmes que vivent les Algériens n'allaient pas voter de toutes les façons. Je me rappelle qu'en 2009, j'avais couvert les présidentielles de 2009, à Alger, ils avaient annoncé 65%. Je me suis rendu dans plusieurs bureaux de vote, il n'y avait pas 10%, ce n'est pas possible. Donc c'est vieux, même à l'époque de Bouteflika, qui, à un certain moment, disposait d'une popularité quand même inestimable, du moins durant son deuxième mandat. Donc il y a un problème profond au niveau de la société. Mais en même temps, je suis presque convaincu que s'il y avait un minimum de consensus, parce que le pouvoir en place, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que vous êtes des nihilistes, vous ne présentez rien, et nous, on a un jeu institutionnel qu'on doit répercuter. Mais en même temps, entre les deux, il pouvait y avoir une solution, il pouvait y avoir des discussions. Donc, on ne pouvait pas satisfaire tout le monde. C'est évident qu'on ne pouvait pas satisfaire tout le monde. Mais il pouvait y avoir un minimum de consensus. Et dans ce cas-là, je suis quasiment certain qu'on dépasserait largement les 30%. On n'arrivera pas à 60%, à 70%, parce qu'il faudrait des générations pour redonner cette confiance aux Algériens, pour donner une autre image. La rupture, elle est plus profonde. Bien sûr qu'elle est profonde. Bien sûr qu'aujourd'hui, des fois, quand vous descendez juste à côté aux Sablettes, des fois, on se fait un monde entre nous, journalistes, politiques, personnalités ou universitaires, des fois, on se fait un monde. Mais le peuple profond, l'Algérie profonde, est tout à fait autre chose. Vous allez dans les marchés de la banlieue d'Alger ou dans les villages. On le rencontre, bien sûr. Durant l'année 2019, dans la rue. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un peu le même. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas d'instrument, on n'a pas d'instrument de mesure pour savoir qui est manifeste. C'est vrai qu'on n'a pas d'instrument de mesure. Qui manifeste, qui ne parle, qui ne parle pas. C'est très très compliqué pour cerner. On a trop cru à un certain moment qu'on reprenne. Même, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, on a l'impression, du moins moi, parce que je vis à côté d'un quartier populaire, je fais mon marché là-bas, à Nadja, je vois que le phénomène de l'islamisation de la société a atteint des niveaux parfois qui caricaturaux. C'est parfois de la caricature. À tel point que tout le monde devient mufti, à tel ou à tel point que tout le monde a un avis sur tout, ainsi de suite. Mais est-ce que cela est représenté dans la classe politique? On ne le sait pas. On ne sait pas, est-ce que ça, c'est le prolongement de ces partis, ou c'est le contraire, ou c'est que c'est la société qui a influencé ces partis, on ne le sait pas. Donc ce sont ces données-là
qui nous manque pour dire exactement ce que pense cette société. Est-ce que nous aurons, enfin, le Hirak, la présence du Hirak ou l'opposition aura plus d'impact que le pouvoir? On ne le sait pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est ce que nous ressentons un peu en Algérie, un peu dans les pays voisins, c'est que l'idée du père tutélaire sur le peuple existe toujours. C'est-à-dire les Algériens, enfin les Marocains, les Tunisiens, c'est un peu la sociologie de la région. Les gens ont besoin de quelqu'un à qui ils s'identifient. Beaucoup d'Algériens regrettent aujourd'hui un dictateur, Boumdine, beaucoup le disent, parce que c'était... Surtout ceux qui ne l'ont pas connu. Oui. on se retourne, on appelle à la ressource de l'université. Oui. Oui, tout à fait, je rejoins ce qu'a dit Ali maintenant. C'est vrai qu'il y a un problème par rapport au champ social en Algérie à tout moment, mais c'est un problème qui est structurel, qui date depuis les années 70 et tout, où on a fait en sorte que le pouvoir politique ait tout fait pour que les champs sociaux n'émergent pas, ne puissent pas faire... devenir ce qu'on appelle un incubateur d'idées, parce qu'un chercheur en sciences sociales, qu'il soit sociologue, politologue, juriste, historien, il est ce qu'on appelle, il étudie la société, il produit un sens. Donc là, on a fait en sorte que les sciences sociales soient marginalisées. À tel enseigne, quand on dit « Ah, tiens, tu es mieux si tu fais des études techniques, tu es un raté si tu as fait, par exemple, littéraire et tout », il y a un problème qui n'est pas structurel et institutionnel, mais un problème qui est aussi sociétal, enraciné même dans les familles algériennes. Cela dit, par rapport à ce qui se passe, c'est vrai que nous, on ne connaît pas bien la société algérienne. Il y a une chose qui est très importante, c'est une tendance lourde, qui est à la fois locale et mondiale. Vous savez que les taux de participation, même dans les démocraties occidentales, ils ont tendance, ces derniers temps, à enregistrer une certaine décélération. À part... Non, oui... Non, à part où le vote il est obligatoire, comme la Belgique, comme la Grèce, le Danemark, le Chypre, c'est-à-dire dans certains pays où le taux de participation, tout en plus, il dépasse les 40%. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de raisons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une désaffection de la politique, mais aussi il y a un engagement dans la politique qui s'exprime différemment. C'est-à-dire qu'on s'engage de moins en moins dans les partis politiques. On fait de la politique, mais différemment. C'est-à-dire que là, nous, en Algérie, on n'est pas, c'est-à-dire qu'on ne vit pas en vase clos. Il y a une évolution démographique. L'urbanisation a joué un rôle très, très important. Quand on voit, par exemple, le taux d'abstention dans certains wilayas qui étaient considérés comme des bastions pro-régime, le taux d'abstention commence à de plus en plus à gagner parce qu'il y a une restructuration sociétale, il y a une lame de fond qui est en train d'émerger. Combien même il y a les solidarités traditionnelles, ce qu'on appelle les telles que l'appartenance tribale, l'appartenance à l'arche et tout, qui restent prégnantes, la question qui se pose et tout, jusqu'à quel point cette appartenance tribale est-elle aussi prégnante, est-elle un élément qui permet ce qu'on appelle de déterminer un engagement, une implication dans la politique. Pour le moment, on ne peut pas y répondre. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a des travaux qui ont été faits, mais il y a des obstacles. C'est très difficile de faire du terrain. Moi, on a essayé, il y a des amis, des sociologues, des politologues et tout. Et à un moment donné, c'est très difficile, notamment lorsqu'il s'agit de travailler ce qu'on appelle dans le cadre de la sociologie politique, la sociologie électorale. Comment les gens votent, à quel moment, quels sont les paramètres déterminants, les choix de vote, les choix de tendance, quelles sont les alliances et tout. C'est très, très difficile. Donc là, on a ma collègue Linda Abou qui est ici derrière la caméra, qui se cache. Elle a l'invité habituel, un sociologue de politique, c'est ça, un sociologue de politique, Boukris, qui nous fait l'amabilité de venir souvent, qui lui n'a pas l'air d'avoir de ce type de problème, parce qu'il nous sort toujours des tendances dans la société profonde. On a l'impression que ses étudiants, ceux qui travaillent avec lui, travaillent, ils ont accès aux données, au terrain, etc. Non, c'est une vanne, je suis pas sûr qu'il fasse vraiment des études de terrain. Mais les tendances pour lui, c'est que les Algériens sont en train d'attendre la redistribution pour se replacer. Enfin, en gros, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est dans les choses sociales, c'est-à-dire qu'il y a la relativité. Il faut relativiser les choses. C'est-à-dire que il faut être prudent, il faut être humble, c'est-à-dire qu'il faut avoir un regard qui va être très distancé. C'est-à-dire que là, actuellement, les tendances, c'est vrai qu'à un moment donné, les sciences sociales, c'est la quantification, l'empirisme, tout va, mais aussi des travaux qualitatifs. Mais je crois qu'il y a, c'est très difficile de faire le terrain en Algérie. J'en profite pour faire de la publicité à l'ISRA, le nouveau think tank virtuel qui est tout à fait digital, lancé par deux Algériennes,
Amal Boubker et Tinina Al-Qadi, et qui fait travailler des chercheurs algériens sur toutes les sciences sociales. Il est pluridisciplinaire et évidemment sa grande thématique, c'est les transformations depuis le début du Hirak. On va avancer un peu dans cette émission. On va laisser le temps à Chérif de fermer son téléphone. Il est en difficulté pour bon, le fermer. Est-ce qu'il faut dire Mbrouk à Abdelzak Mqri qui revendique la victoire du MSP question directe à Emmat? Pour moi, pas du tout. C'est juste une tactique. Ça nous rappelle à l'époque, en 2007, quand Karim Tabou était premier secrétaire des élections locales. Il a démissionné. Après, c'était un coup. Premier secrétaire du FFS. Un premier secrétaire du FFS, c'était un coup médiatique. Bon, ça, on est... le MSP n'a pas gagné. N'a pas gagné, ne gagnera pas. L'électorat est resté fixe, 300 000, selon les difficultés. Il a des bastions. Et il n'a jamais, depuis 2012, il n'a jamais eu la majorité, même dans les bastions du MSP. Après, maintenant, il revendique. Est-ce qu'il revendique en termes de nombre de voix, parce qu'il a laissé une porte de sortie? Il se peut qu'en termes de nombre de voix, il soit le premier, mais il n'a pas le... Ça ne fait pas de lui de 5 victoires. Ça ne fait pas d'une victoire... Donc, de l'offre de liste qu'il y a, non, etc. Nous sommes en tête dans la majorité des wilayas. C'est précis. D'accord. C'est ce qu'il dit. Est-ce que ça donne la raison à Liberté qui a fait un peu une campagne, pas tous les auteurs dans Liberté, pas tous les journalistes, mais un peu sous l'influence de M. Kemal Daoud, si on ne vote pas, c'est les islamistes qui vont tout rafler. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train d'arriver? C'est un autre débat, on peut en débattre, mais moi je pense que selon les... Parce que Ahmed, il compare à des élections qu'on estime toutes truquées, donc... On n'a pas vraiment de baromètre pour dire que... Par contre, ce que je sais, c'est qu'un ancien wali, Bachir Frick, le dit publiquement qu'en 1995, c'est le Hamas qui a gagné les élections. Du moins, là où il était, à Oran. En 1997, c'est le Hamas qui a gagné les législatives à Oran et c'est pas Ben Salah. À Oran. Oui, c'est un exemple, hein, mettons d'autres. Hein. Mais ça peut... Oui, mais c'est quand même, c'était pas rien sur 6 sièges. À Oran à l'époque, il a dit que le RND avait les voix pour un demi-siège, même pas un siège complet. Donc, c'est dans notre conjoncture. Non, je dis, non, parce que tu dis qu'il a, il a un bastion, il a. Je ne dis pas qu'il a une base. Il a une base qui est restée. Moi, je n'ai pas d'instrument pour le dire. Mais ce que je sais, c'est que pour l'instant, l'absence de parti démocrate ou républicain, je ne sais pas comment on les appelle, ça peut lui donner la possibilité. Pour une simple raison, que c'est le seul parti, c'est l'un des rares partis qui a une structure, quand même des structures sérieuses, et il faut le dire, il a un programme, le seul. Moi, j'ai suivi les programmes des partis cette fois-ci, et c'est le seul qui a un programme crédible en termes de théoriquement parlé, parlons. Hein. Après, sur le terrain, lui et Ben Grina, ils ont laissé la porte ouverte parce qu'ils savent qu'ils vont hériter de la patate chaude, notamment sur le plan économique. Ils savent que la crise est ingérable pour un seul parti. Ils disent les deux que si on gagne, c'est pas à nous de gérer le gouvernement tout seul, mais on va appeler tout le monde pour nos associés. Mais en réalité, parce que c'est pour partager l'échec en cas où il y aura échec. Mais ce qui est évident pour l'instant, c'est que la grande inconnue, c'est les listes d'être indépendante, on ne sait pas combien il y en a, mais sur le plan des partis politiques, lui, il dit que nous sommes premiers partout, je n'ai pas d'instrument pour dire le contraire. Le FLN... Il publie les chiffres. Il ne peut pas avoir les chiffres, parce que c'est l'année qui donne les chiffres. Il peut pas. Il a protesté contre le fait que dans beaucoup de wilayas, il n'a pas pu récupérer les PV. De wilayas. En tout cas, les représentants locaux, dont en certaines wilayas de l'Est notamment, ils disent qu'il est en tête. Après, est-ce que majorité absolue, relative, avec deux sièges, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et lui, il ne dit pas que nous sommes les premiers à l'échelle nationale. Il dit, dans la majorité des wilayas, ça peut être une différence d'un siège, d'un demi-siège, juste de quelques voix au départ. Voilà, c'est ça. Sa communication est... Après, on ne sait pas exactement. Mais ce qui est évident, c'est que à la lumière de ce que nous avons comme données, le peu de données que nous avons, dont nous disposons, je pense qu'il n'y aura pas de majorité. Personne n'aura une majorité. Oui. Ça sera un peu une mosaïque. Après, probablement, pour permettre... Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on a vu depuis hier soir, les dépouillements, etc., qu'effectivement, l'éclatement qu'on redoutait ou que certains espéraient, c'est confirmé qu'il n'y a aucune tendance... Parce que pour l'instant... qui se dégage. Moi, je pense qu'il n'y a aucune incidence sur le boycott des démocrates. D'ailleurs, en Kabylie, on a vu que c'est le FLN, le RND et un peu les mêmes réseaux qui ont gagné. Donc, surtout à Béjaïa et Tizi Ouzou.
Le MSP, ce n'est pas son électorat, il n'a jamais pu pénétrer en Kabylie, il n'a pas fait voter la majorité d'Alger. C'est quand même bizarre que le MSP a une présence timide à Alger, toujours, ça a été toujours le cas. Le MSP, je vais essayer un peu de faire l'achor. Le MSP était pendant cette campagne en concurrence avec un seul parti, c'est le Bina. Ils étaient en concurrence. Tout le monde ne sait pas que Bina, c'est Ben Grina, parce qu'on parle plus c'est de Ben Grina. Donc, il faut savoir que pendant les élections présidentielles, quand le MSP n'a pas donné de signe de consigne de vote, une partie de la base du MSP a voté Ben Grina. Donc, si Ben Grina va capitaliser sur les présidentielles, il peut grignoter de l'électorat du MSP. Et à ce titre, le MSP n'avait pas le choix, il fallait participer en force et barrer la route à une éventuelle stratégie dans ce sens. Mais ce que j'ai remarqué dans le parti de Ben Grina, par exemple, c'est en termes de construction des listes, c'est une mosaïque. Ben Grina n'est pas dans une logique islamiste, contrairement au MSP qui est clairement, nettement, qu'il vise un électorat pratiquement fixe. Je connais quelques communes où le MSP est présent. J'essaie d'analyser et voir comment, à travers leur réseau, ils ont même les élections locales, c'est des sièges fixes. C'est rarement où ils dépassent. Ils n'ont pas des exploits. C'est pratiquement la même chose parce que lors des élections locales, on peut mesurer. Contrairement à surtout les communales. On peut mesurer sérieusement parce que c'est... Après... Mais je n'ai pas envie en même temps de consacrer beaucoup de temps à des partis qui n'ont pas amené tant d'électeurs que ça aux urnes. Parce qu'il faut toujours se rappeler qu'on est quand même devant un désert électoral. Bien sûr. Et parlant aussi longuement, on a l'impression d'avoir affaire à des phénomènes électoraux. On n'est pas devant des phénomènes électoraux. C'est très important. C'est très important. En fait, on essaie d'analyser un chaos. Malgré tout ça, on n'a pas atteint un niveau... On est en train d'essayer de comprendre quelque chose, un chaos. C'est un chaos ce qui se passe dans ce pays. Ouais. Et de l'autre côté, on a tué le FLN et le RND avant le vote. Je ne pense pas que c'est le cas. C'est un peu comme un grand influenceur éditorialiste qui a dit que la victoire de Abdelmadjid Tebboune était une grande victoire pour ceux qui l'avaient tué en 2017 quand il est sorti par la petite porte. Ça, c'est écrit. Dans le désert du 12-12 et l'absence de candidature sérieuse et la répression, etc., ça ne pouvait pas être une grande victoire. C'est l'armée qui l'a ramené. On est un peu dans la même configuration. Moi, je voulais qu'on s'arrête 2 minutes sur la prise de risque kabyle. Troisième élection sans que la Kabylie ne soit présente dans le dispositif. Et je ne sais pas quelle va être la valeur des députés et du mandat des députés qui vont sortir des wilayas kabyles. C'est une très grosse possibilité. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu une dissidence entre guillemets administrative, civique et électorale aussi longue et aussi importante depuis l'indépendance. Non, c'est vrai que c'est à la fois inquiétant parce que ça va crescendo. C'est-à-dire que cette défiance s'exprime de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'on est passé de seuil de 4-6% vers carrément 0,5-0,8%. C'est une défiance qui est systématique, qui s'exprime même des fois radicalement à travers le saccage des urnes et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que la question qui se pose, qui devrait être posée, c'est qu'on devrait faire une analyse. Quelles sont les raisons qui ont poussé à ce que la Kabylie, c'est-à-dire que ça devient comme si que le seul bastion, mais le foyer de dissidence qui est structurel. Il faut mettre ça dans le temps long de l'histoire, depuis le mouvement national, sans remonter au 19e siècle, jusqu'à présent, comme un foyer de dissidence. Et pourquoi cette dissidence s'exprime de plus en plus de façon assez forte et qu'on assiste à une sorte de radicalisation de cette dissidence. Là, je crois que l'analyse qui devrait être au niveau du pouvoir politique, c'est-à-dire le rapport que le pouvoir doit entretenir avec une région qui a carrément démontré sa défiance, son rejet à l'offre politique, elle l'a démontré depuis des années, et elle le montre de plus en plus. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que le foyer de tension, les gens ont tendance à dire qu'uniquement que Tizi Ouzou et Bdiaye. Non, il y a Bouira, il y a Boumerdesh, il y a un peu Sétif. Bouindesh, 11 communes. Guinzed, Bouindesh, Bliwertilan, 11 communes, ce qui n'est pas rien.
C'est-à-dire que là, on a comme l'impression que le pouvoir n'a pas pris la mesure de cette dissidence qui s'exprime de plus en plus radicale. Et pourtant, chiffre, moi j'ai eu des échos selon lesquels Tebboune, au début de son mandat, avant qu'il tombe malade, en faisait une priorité. Il voulait visiter la Kabylie. Avant qu'il le dise déjà, il avait essayé de lancer des balises, de baliser le terrain, etc. Il voulait récupérer la Kabylie dans son espace-temps. Et visiblement, il a pas fait les bons efforts puisque ça continue. Moi, ce qui me fait peur, c'est ces choix de facilité. Hein. Moi, je pense qu'ils sont en train de refaire de l'histoire. Ils se disent peut-être qu'ils pourront faire comme en 2002. Ils feront une autre élection anticipée en 2005, qu'il y a toujours une solution après que le Hirak va se tasser, etc., qu'ils vont trouver des solutions, etc. Ils ne prennent pas en considération les pendances lourdes au sein de la société. Il y a une lame de fond sérieuse, c'est pas du jeu là. Là c'est, même leur clientèle ne s'est pas mobilisée pour leur élection. Ce n'est pas un jeu. Il y a un sérieux problème de rupture de lien social. Il y a un sérieux problème de l'avancée de l'idée, du moins, de l'autonomie en Kabylie, du moins, ce qui va entraîner la même chose au sud et dans d'autres régions. Et ça c'est pas du jeu, là. Au lieu de minimiser les risques, j'ai l'impression qu'ils sont en train de les amplifier. Ce n'est pas sérieux pour un pays comme l'Algérie. Je pense qu'ils sont un peu installés dans cet confort. On a vu un peu le Jazeera qui traite les choses comme le NTV par rapport aux élections. Ils ont de l'ingénierie politique de très haut niveau et aidés par les Occidentaux. Et tu sais jamais ils planifient quoi. Il n'y a pas d'amis dans un monde actuel de plus en plus violent, de plus en plus agresseur, etc. J'ai peur sérieusement de cette situation. Une image un peu parce qu'il parlait de la violence. Et à Tizi Ouzou, par exemple, il y avait beaucoup de bureaux qui étaient ouverts. Vous savez quoi? C'était zéro votant. Et on n'a empêché personne, mais zéro votant, mais carrément. Ils ont fermé vers midi. Dans certaines communes, ça s'est poursuivi jusqu'à 20h. Hein. Dans ma commune d'origine, il y a eu des violences. Mais dans ma commune, il y a eu 17 bureaux qui étaient ouverts sur... 5 sur 7, sur 17 plutôt. Et ben, il y a eu 3 voix. 3 voix dans toute la commune de 14 000 votants. C'est hallucinant. À Tienni, il y a une dizaine à Tizi Ouzou, mais il y a 5 personnes qui sont originaires. Mais quand même que les gens qui sont sur les listes vont aller voter. Il y a 5 candidats. Il y a 5 candidats qui sont issus de la commune, mais bon, c'est pas leur bureau là où ils votent qui sont ouverts, donc pas forcément. Mais il y a eu 3 voix. Alors, il y a eu des communes où zéro vote. Par contre, je viens de donner une information qui n'a rien à voir. Ils viennent de retirer l'agrément à France 24. Là. Ils viennent de chasser France 24. Voilà. Tout à fait. Il faut préciser qu'ils n'avaient jamais personne dans l'agrément jusqu'à présent. Et ils ont déposé. France 24 arabe ou français? Les deux. Ils ont un seul. J'espère que c'est pas parce qu'ils ont couvert notre séquestration. C'est les élections. Je n'ai pas encore vu le détail, mais je sais qu'ils ont déposé les dossiers en décembre et jusqu'à présent, aucune chaîne, y compris le Jazeera, n'est agréée. Officiel, formellement, du moins. Hein. Ça sera peut-être le sujet du café presse politique. Est-ce qu'on va vers un durcissement donc avec Khaled Rani mercredi prochain, on évoquera le sujet. Un mot sur la diaspora. On continue de perdre, on continue, pas nous, le régime, de perdre le lien avec la diaspora. Enfin, le divorce dont on parlait, c'est un divorce qui... On a pensé un moment que les candidats du Jil Jadid à la diaspora pourraient un peu impulser, du moins, faire mieux que du 12-12, de part qu'ils sont jeunes, ils vont ramener, mais ça n'a rien ramené. C'est trois auto-officiels, 3,1% pendant 3 jours de vote. Et on a vu pendant la campagne qu'il y avait plus de candidats sur le terrain que des Algériens qui les écoutent. Donc, j'espère quand même qu'ils essayent de lire avec les résultats, ce qui se passe, que les décideurs essayent de lire avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Algérie. Ça, c'est des indicateurs sérieux. C'est un retour. Le pouvoir est en train quand le pouvoir organise des élections, il fait une offre politique. Le peuple n'est pas preneur.
Là, il faut trouver des solutions. C'est aussi pour eux. On a vu, là, la chute de Bouteflika doit être une... Alors, on arrive sur la fin. Est-ce que l'échec, ce fiasco de la journée du 12-12, ne va pas pousser Ahmed Itebboune à avancer? Je crois que son porte-parole du gouvernement, dont j'ai du mal à citer le nom, a déjà parlé du mois de septembre. Non, avancer les élections. De convocation du coup électoral en septembre. Est-ce que ça ne va pas être plutôt accéléré pour reporter la formation d'un nouveau gouvernement après des élections locales qui, elles, peut-être redonneraient un peu de couleur au visage très pâle de la scène politique actuelle. Je pense que le gouvernement va être proposé. Refait quand même tout de suite. La Constitution les y oblige, du moins. Hein, c'est les résultats de l'élection. Après, il y aura un autre gouvernement, c'est possible. Mais ce qui est certain, c'est qu'apparemment, on se dirige vers des élections locales le 11 ou le 12 décembre. Ils veulent à peu près cohabiter avec eux. La feuille de route se poursuit, à moins qu'il y ait un miracle entre-temps. Le porte-parole du gouvernement a dit que la convocation du corps électoral, c'est mois de septembre. Il faut compter trois mois, fin novembre, début décembre, il y aura des élections locales. Mais je pense que le gouvernement en relation, plutôt juridiquement, parce qu'on est toujours dans le juridisme, ce n'est pas du juridique. Il faut un gouvernement juste après les législatives. Il parle de majorité parlementaire. Mais tant qu'il n'y a pas de majorité parlementaire, la piste de garder Djerad n'est pas exclue. Parce qu'il peut décider tant qu'il n'y aura pas une majorité qui se dégage, parce que ça ne parle pas, la Constitution, la loi ne parle pas de coalition majoritaire, parle d'un parti majoritaire, parle d'une majorité. Ça reste quand même très vague pour laisser à Abdelmadjid Tebboune l'interprétation. Chérif, il faut se mouiller. Vous achetez le scénario de garder Djerad au cas où il n'y a pas une majorité nette? Avant de rebondir, par rapport à la diaspora, au-delà de la réflexion, ça pose une question lancinante qui est structurelle, c'est une politique d'immigration. Parce que le gouvernement, l'Algérie, a une politique d'immigration comparée à ce qui se passe avec le Maroc, qui a une politique qui est structurée et tout. Là, je crois que ce qui se passe dans la diaspora, la défection, le taux de participation qui est plus bas, qui devient une lame de fond, ça pose une question filigrane, c'est une politique d'immigration qui est très importante. Pour ce qui est... Le 12-12, avant le 12-12, il y avait des piquets dans la diaspora pour houspiller ceux qui allaient voter. Tout à fait. Maintenant, pour ce qui est du gouvernement, moi, je pense qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer. Déjà, il faudrait savoir quelle serait la configuration qui va se dégager dans ce Parlement. Est-ce qu'on aura la configuration de parti hégémonique ou plutôt des locomotives et des wagons, ou plutôt un parlement hybride et mosaïque, on va aller vers des coalitions de façon à ce qu'il est impossible de déterminer qui aura la majorité et que le président, selon ce que lui reçoit la Constitution, désignera lui-même son premier ministre, soit il reconduit Abdelaziz Djerad, ou là il nommera quelqu'un. Là, je crois qu'il faut attendre un petit peu pour se prononcer, parce que jusqu'à présent, déjà qu'il y a un taux de participation, il y a ce cafouillage entre moi et le taux de participation. Deuxième élément, c'est de savoir quelles sont les tendances qui vont émerger. Là, je crois que là, il y a le factuel, le conjoncturel, mais le structurel qui reste pour moi, qui est très important, c'est que, est-ce que le président aura toute la latitude d'avoir son vaisseau et sa flottille? Est-ce que le président aura toute la latitude d'avoir ce que Bouteflika a pu construire au bout d'un mandat et demi? C'est la question qu'on va poursuivre et traquer dans les prochaines émissions. Merci beaucoup, Ali, d'être venu. Merci à Ahmed. Merci, Chérif, d'avoir participé à ce numéro. Merci à vous tous de nous avoir exprimé votre solidarité pendant l'épisode extrêmement difficile que nous avons vécu il y a quelques jours. Nous sommes toujours mobilisés pour les autres détenus, dont nos collègues journalistes. On n'a pas eu le temps d'en évoquer. Donc, Karesh, Rabah, qui a dépassé les 50 jours de détention. 50 jours de détention. J'évoque par la même occasion Nabil Mellah, qui est notre actionnaire et membre du conseil d'administration de la boîte qui édite Radio M et qui est toujours en prison, qui a dépassé le cap du mois en prison. On espère que cette élection va peut-être apporter pour le nouveau gouvernement un contexte d'ouverture et de détente minimale qui nous permette d'aborder avec un peu plus de sénérité. Deux années de tu fais très bien, il faut en parler dans le micro. Deux années de prison pour Alir Dery, sans jugement, c'est un véritable scandale et on va l'évoquer pour une déclaration, faite dans un journal. Absolument, absolument. Des fois, il vaut mieux être un civil qu'un ancien militaire. Ouais, malheureusement. Ouais. Merci, merci beaucoup de nous suivre. Merci. Rendez-vous sur M, la petite radio.